Il a vécu l'enfer pendant 5 longues années. En Floride, Tracy et Timothy Ferrité, âgés de 46 ans, ont été arrêtés pour maltraitance, rapporte la chaîne CBS 12. Ce couple d'Américains est en effet accusé d'avoir forcé leur fils adoptif à vivre caché dans un garage pendant 5 ans. Ils ont été interpellés et inculpés pour abus sur mineurs. Selon l'enquête, C.S.T., la mère de l'adolescente elle-même qui a prévenu les autorités, après que son fils a disparu. Lorsque la police est arrivée au domicile familial, elle a découvert, dans une garage, une structure en bois que les parents ont décrit comme un petit bureau. Après s'être approchés de la structure, les agents ont constaté que l'interrupteur et le verrou de la pièce n'étaient accessibles que depuis l'extérieur. À l'intérieur, ils ont trouvé un matelas, un drap, quelques livres et des objets personnels. Les parents plaident non coupables finalement, le garçon de 14 ans est réapparu à l'école le lendemain de sa disparition. Devant les policiers, il a expliqué que ses parents avaient pour habitude de l'enfermer dans le garage, parfois pendant 18 heures de suite. Il a ainsi indiqué avoir fugué car il avait l'impression que personne ne l'aimait. Il aurait même supplié les agents de l'arrêter car il préférait encore être en prison que rentrer à la maison. L'enquête a également révélé que les parents auraient abusé physiquement de l'adolescent, et qu'ils le tenaient captif dans le garage depuis au moins 2017. Leur fils adoptif n'était autorisé à sortir que pour se rendre à l'école. Une fois de retour chez lui, il était de nouveau enfermé dans la structure dans laquelle il recevait de la nourriture, et ne disposait que d'un seau pour son hygiène. Trois autres enfants qui vivaient aussi dans la maison ont été pris en charge par les services de protection de l'enfance. De leur côté, les deux époux ont été incarcérés. Leur caution a été fixée à $50 000 chacun, avec interdiction de contacter leurs enfants. Ils plaident non coupables.